Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la petite bandit. Yo! Donc aujourd'hui, Myriam, c'est un grave et sain. Écoute-moi bien. Tu peux me dire si tu veux, tu participes pas à la vidéo. Mais si tu tombes sur un repas sain, tu dois manger des légumes. Ok? Ouais, mais. Des légumes! Attends, serre-moi la pince, on fait l'engagement. Ok, à partir de ce moment-là, tu peux pas refuser le repas. On va aller faire quelques cours. Eh oui! Let's go! Pour le petit déjeuner, il y en aura un ou deux qui aura droit de prendre ça. Vas-y, bah prends le cookie. Et on va prendre ça, ouais. Donuts, fais voir, regardez ce qu'ils ont inventé la famille, au Nutella. Vas-y, go. Regardez encore. Ouais, mais ça c'est bon, c'est mieux ça pour l'instant. Bon, le repas, ça sera des sushis. Ouais, des sushis, c'est sain la famille, regardez, ouais, on a tout ça. C'est pour lui. Mais là, je pense qu'il y en a un ou deux qui aura la chance de manger ça. Il y a de, oh, la... Il y a de la sauce. Tu préfères ça, ça là? Tu préfères ça le bol? Non. Mais là, il y en a trop, il y en a 28 000. T'as vu comment j'ai petit? Et pour finir, regardez ce qu'on a trouvé. Non, hey, cheesecake, c'est dégueulasse avec du fromage. C'est pas bon. Ah ouais? Cheesecake, ne prenez pas, moi j'aime pas personnellement. Mais celui-là, il a l'air grave bon. Ouais, mais il y a du fromage dedans, je te préviens, c'est affreux. Moi je te préfère les gus comme ça là. Mais regardez ce qu'il y a là-haut aussi. Ouais, vanille spéculoos. Ah, t'es assis là comme si c'est toi qui allais manger gras. Qui t'a dit que tu vas gagner? Bah moi. Alors je te propose un défi. Déjà c'est l'Espagne qui gagne. Ouais, Barcelone, c'est les Portugais, on vous frappe sur la Si tu sais écrire le mot sain, de gras vs sain, je te laisse choisir gras ou sain. S. Ouais. I. Ouais. N. Ok, d'accord, t'as perdu. Sain, ça s'écrit S A I N. Donc du coup, je vais choisir. Est-ce que je... Non, vas-y, je prends sain. Vas-y, je prends sain. Je te laisse gras, c'est bon. Parce que après, on va plus vouloir faire de vidéos avec moi. Fais voir comment il est à l'intérieur avec du donuts au Nutella, les frères. Ils ont réalisé mon rêve. Ouais, il n'y a même pas beaucoup de Nutella. Vas-y, tape un croc, bismillah. Je peux sentir au moins. Oh, quand même. Alors? Ouais, ça va, ça passe. Ça passe? Ah, c'est claqué en fait. Non, c'est bien, ça va, mais il n'y a pas trop beaucoup de chocolat. Ouais, ils ont abusé sur le Nutella. Par contre, votre pote, elle est un peu bizarre. Hein. Vous savez ce qu'il y a dans son verre? Je ne vais même pas dire. Dès le matin, frère, je ne vais même pas dire. Par contre, ce cookie, il est incroyable. Non, écoute, le sucré, il faut le savourer. Les gros crocs, c'est pour cet après-midi, les tacos, les hamburgers. Ça, c'est au calme. Au calme. On n'est pas à ce point-là, en douille. À la fin, petit croc, voilà. Vas-y, attends. A few moments later. T'as quoi dedans? Je sais pas, frère, c'est un cadeau, je sais pas. Notre partenaire football émotion. Mais y a quoi? Mais je sais pas, un homme, une femme, je sais pas, ta femme, je sais pas moi. T'as qu'à l'ouvrir. On va voir. Tant que Myriam elle est pas là, comme ça on va pas nous dire et moi. Je sais pas du tout ce que c'est, frère. Quoi ça? Alors? En gros, notre partenaire nous a envoyé un mail. Il nous a dit j'ai un cadeau pour vous, elle nous a envoyé des maillots lifestyle en gros. Peut-être elle veut se marier avec toi. Hein. Non, avec toi. Regarde, elle t'a envoyé ça parce qu'elle aime bien, elle doit dire tu dois être mignon avec ça. C'est grave les tenues espagnoles, c'est avec les cols V et tout. Elle a envoyé une tenue grise, montre la tenue grise et une tenue bleue. Mais je pense vraiment que c'est un cadeau de mariage. Hein. T'as une touche, Yacine. Mais c'est pour toi. En plus, ça s'appelle Alexia ou je sais pas comment. C'est ta taille en plus, c'est ta taille. Vraiment? Ouais. Vas-y, je te les laisse, en tout cas, je te laisse tout. Genre, je te les laisse. Ça tique. Mais je te les ai déjà laissés en premier donc du coup. Ah mince. Vas-y, lance ton dé. On va voir qui fait. S'il tombe de la table, c'est mort, t'as perdu. 4. Let's go. 4. Alors, on a fait 4-4 au dé. Entre Myriam et moi, qui doit manger gras, qui doit manger sain. Myriam a décidé. Tu veux manger quoi? Moi je veux manger gras, toi tu dois manger sain. Sale grosse vache, j'ai envie de te boxe. Alors qu'est-ce qu'elle a en repas gras, elle? Aïe. T'as une crêpe? Il y a quoi dedans? Yacine, il l'a mis. Jambon et mental, vas-y. Alors moi, je me suis pris sushi, viande, pommes de terre. Bah, c'est sain, mahlé, la salade et le dessert, on verra après. Donc, moi, ce que je kiffe faire... Attends, avant de manger... Putain, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Merci. Maintenant, tu peux manger. Et tape un vrai croc là. Ici on n'est pas dans la chaîne des enfants, on est dans la chaîne des adultes. Moi ce que je kiffe faire, je suis un peu barbare mais vas-y. Déjà normalement il manque du fromage mais bon c'est pas grave. C'est barbare. Je prends de la salade et de la vinaigrette.
je mets des pommes de terre, je mets de la viande, et bien avec les doigts, c'est important pour un maximum de plaisir. Ça, c'est du saumon. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec la sauce. Je sais pas c'est quoi comme sauce. Maman, il n'y a pas de porc. Ça te dit quoi, ça? Bismillah. Alors? La sauce est bonne. C'est quoi qui est dégueulasse dedans? Par contre, j'ai la haine, j'ai envie de mettre une patate dans la table. Regarde ce qu'il y a ici. Il y a un cheveu. Allez, je crois vraiment que ça va me décourager. Je vais juste enlever le cheveu et je vais manger. Non, alors, goûte ça, goûte ça. C'est un ça. Cheveu quoi, ça? C'est un petit cheveu d'une dame, ça, c'est sûr. D'un monsieur. Ça? Il l'a mangé en un coup. Et ben ça, on dirait une semelle de chaussure, vraiment. Ça a le goût d'une semelle de chaussure. J'ai jamais mangé de semelle de chaussure, mais ça a le goût d'une semelle de chaussure. Ah! Ça va. Il y a des fruits, bon ça c'est la base. Ouais, tu m'as tapé les fruits. Oh désolé. Il y a des noix de coco, des ananas ou ananas et framboises. Mais je me suis baladé dans le rayon bio, je me suis dit ça serait bien de tester les gâteaux soi-disant sains. Là ils disent il y a moins 50% de sucre, tout ça, c'est un gâteau au chocolat. Non mais c'est mort, ça c'est sain. Eh oh, toi t'es gras, toi tu dois manger ça. Regardez ce que je vais trouver. C'est ce qu'il y a au grec. Gerbier, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai envie d'enlever mon t-shirt et le craquer en deux. Vous foutez de qui? Regardez la boîte. Regardez la taille du gâteau. C'est une blague. Dites-moi s'il vous plaît que c'est une blague. Bah oui, t'as acheté les mauvais gâteaux. On va voir, hein, bismillah. C'est extraordinaire. Bah, c'est dégueulasse, ça va être gros. Dégueulasse. Ça passe bien, ça passe bien, ça passe bien. Après, c'est pas un truc que je mangerai tous les jours. Non, puis sur les côtés, montre-leur sur les côtés. Wow. Par contre, c'est incroyable. Ah, 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 ah. Putain, c'est la différence de sucre, les frères. Waouh. On vient au tennis pour gagner l'iPhone qui est sur la table, là. Ça se dispute pour regarder les vidéos YouTube, tout ça. Ça joue, hein. 1-0 pour Yacine. Ça, c'est jusqu'à 3. Mais... Oh, le bâtard. 2-0. Allez, hop, 3-0 le portable là, Yacine. Bon, par contre, là, c'est repas gras et repas sain. Mais vu que j'ai fait deux repas sains, là, c'est moi qui ai le repas gras, j'en ai rien à fiche. C'est bon? Donc, ça va plus être marrant pour elle parce qu'elle déteste les légumes. Mais je l'ai mis bien parce que je t'ai mis des pâtes au fromage en récompense. Plus sa crêpe de ce midi qu'elle a pas fini. Alors, juste, lui, il a mangé cette carotte. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est... Bah, je continue. Mange maintenant. Bismillah. Bismillah. Tu dois tout terminer? C'est, tout est nature, il n'y a aucun goût. Tu dois terminer? Non, tu dois en manger un peu. Les haricots verts. Tu dois me dire combien j'en mange. Par contre, celle-là, c'est vraiment... T'en manges au moins deux, comme ça. Et au moins les haricots verts. Tout? Au moins tout. Okay. Et d'ailleurs, ceux qui font des régimes et qui mangent que des haricots verts tous les jours avec de la viande, c'est pas ça un régime, hein. Vous allez jamais tenir, hein. C'est impossible. Mangez tout ce que vous voulez, mais faites maison. Genre, je sais pas, mangez ce que vous voulez. Moi, je me suis pris quoi en attendant? Un croque-monsieur. Bismillah. Waouh. Incroyable. Tu peux sentir? Non, toi, je te connais, toi, tu sens pas. Je peux sentir, c'est tout. Ensuite, on a des pommes de terre au gruyère. Ça, c'est vraiment super bon. Et on a un méga hamburger. Tout est fait maison. C'est que du bonheur. C'est juste parce que vous êtes là qu'elle mange. Ça n'a même pas de goût. Ça n'a même pas de goût, j'avoue. Ils sont nature, tout ça. Mais c'est sain. On va tester des nouvelles choses pour le dessert. Déjà, toi, t'as ta salade de fruits, c'est sain. C'est bon pour toi. On va prendre du Nutella qu'on va appliquer sur la banane. Parce que normalement, Nutella. Je peux pas goûter un ton truc. Nutella banane, c'est la base. Elle m'a fait goûter à Mickey ou pas elle? Je crois pas, hein. T'avais donné ton donné. Franchement, si t'as rien à la maison, elle m'avait donné un bout de donut, tu vois. On est très bas. Si t'as rien à la maison, ça peut grave dépanner. Et ensuite, ça par contre, je peux pas te donner, désolé. On a un moelleux au chocolat.
Non, non, c'est mort. C'est... Mange tes trucs, toi, tes fruits, là. T'as allergique à l'ananas. De... Maman, c'est vrai qu'elle est allergique à l'ananas? C'est vrai qu'elle est allergique à l'ananas? Non. Ouais, je savais que tu... T'es une de ces mythos. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur total. Oh. En tout cas, on a kiffé. Ça va, toi, ce matin et midi, t'as mangé gras, t'étais bien. En vrai, le soir, je me suis mis super bien. Arrête. Moi, j'ai plus envie de faire de 24 heures avec elle parce qu'elle respecte pas. À chaque fois, elle veut me prendre mes trucs. Donc, si vous voulez, je continue à faire avec elle. Écoutez, c'est simple. Vous mettez 5000 pouces bleus et on fait un prochain. Je pense qu'on va faire un truc avec des pizzas, ça va être cool. Quoi? Je te laisse le mot de la fin. Alors, je voulais vous dire que lui, c'est un crevard.